Hello, bienvenue sur la chaîne Jeanne Créa. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire un petit tuto. Donc, un petit tuto album. Donc, pour cela, vous avez besoin d'enveloppes. Donc là, c'est des enveloppes qui sont de chez Action. Des chutes. C'est ce que j'ai fait. Parce qu'on va faire un petit album automne encore. Donc, voilà. Celui-ci. Donc, elles font 11,4 x 16,2 cm. Elles font du 80 grammes. J'en ai pris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'en avais 10, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9. Il m'en manque une. 10, il m'en faut 10. Il vous faut 10 enveloppes comme ça, du coup. De la colle ou tout ce qui est. Double face. Pour coller papier. Des chutes de papier sur le thème. Sur le thème de l'automne, forêt, nature, quoi. Les die cuts de chez Action, je pense que c'est ça qu'on se servira pour décorer notre page de devant. Notre couverture et tout ça. Bon, pour faire la tranche, on verra après. Et des bandelettes. Alors, je vais vous expliquer. Elles font 15,5. Donc, 15,5 sur 2. Et un pli, il faut tracer, faire un pli à 1. Voilà, ça nous fait des petites bandelettes comme ça. Voilà. Oui, ça ne sera pas un album où on mettra de l'épaisseur beaucoup, quoi. Voilà. Voilà, on les plie. Et hop, je plie l'album. Je plie l'album. Je plie le pli, quoi. Je sais pas si vous me comprenez des fois dans mes tutos, je suis pas très claire. Voilà, je plie. Je l'ai commencé à les plier parce que comme ça au moins ça sera fait. Voilà. On va fermer nos enveloppes aussi. Donc il vous en faut 10. Hein. Voilà, bien plié. Bon, on fait avec le plioir si on veut. Oui, là, il va falloir faire avec le plioir d'ailleurs. Bon, bref, je ferai ça tout à l'heure. Voilà. Et voilà. Donc, ils vont faire 9 petites et 2. Donc, ils font 15, je vous rappelle. 15,5 sur 2 avec un pli à 1. On en a un de chaque côté. On prend les enveloppes verticalement. Donc, attendez que je vous enlève les plis. Donc on ferme nos enveloppes. On prend ça. Ah non, c'est des fermetures comme ça. Ah non, j'aime pas les chiens. Désolée. Donc. Voilà. On met de la colle, on ferme nos enveloppes. Comme ça. Ça sera notre première couverture. Et ainsi de suite. Là, vous voyez, j'ai peut-être pas assez collé. Je suis ça d'ailleurs. Ça ira avec. Donc, ainsi de suite, on ferme toutes nos enveloppes. Voilà. Ensuite. C'est juste pour vous faire voir qu'il faut fermer les enveloppes. On applique pour bien étendre le plioir. Voilà. Voilà. On nous en fait 2 de fermer. 3. Oula. Si je suis tombée. Je sais pas si vous voyez bien par contre. Je pense que si. Oui. Enfin, celle-là elle est ouverte quoi. Et sinon après. Hop. Je déteste mettre. Je trouve que c'est mieux de faire comme ça en fait. Hein. Fermer nos enveloppes comme ça. Attendez, j'ai de la colle. On prend un chiffon. Voilà. Je tiens bien. Voilà. Bon.
là. Et là, pareil. Oh là là, je viens de mettre de la colle sur l'enveloppe. Bon, c'est pas très grave en soi. C'est qu'il y a de la colle là-dessus. Bon, bref. C'est pas très grave en soi. Voilà, toujours dans le même sens. Bon, en gros, on les ferme, quoi. Déjà 5 minutes pour fermer des enveloppes. Hop. Voilà. Hop. On active. On fait deux en même temps, comme ça. Hop. Et à plus vite. Bon, je voulais vous faire voir qu'on peut faire aussi avec des chutes des albums. C'est ça que je voulais vous faire voir. Hop. Et puis moi j'ai... Ne pas prendre de chiffon rouge. Mes autres chiffons, ils sont vachement beaux. Faudrait que je trouve des chiffons vraiment pas beaux pour faire ça. Voilà, là je prends pareil mon enveloppe. Je fais comme ça. J'étire bien. Je prends le plioir. J'étire bien, quitte à en mettre partout. Voilà. Vous voyez, j'en ai mis déjà partout. Voilà. Pareil, de l'autre côté, hop, c'est bon. Donc celle-là, elle est faite, celle-là, elle est faite. Vous voyez, je les mets comme ça, dans le sens comme ça. L'enveloppe comme ça, le derrière comme ceci. On a presque fini. On a presque fini déjà le... ça. Bien, bien collé partout quand même. C'est très important. Voilà. Mince, 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 mince. Voilà. Donc on a les trucs pas loin quand même. Il va falloir que je mette. Hop, voilà. Bon, il y a mes doigts aussi qui prennent des fois. Mais bon, toute scrapeuse, c'est qu'on a toujours les doigts qui prennent. C'est assez facile, hein. C'est un tuto assez facile, simple. Vous pouvez prendre un café parce que je sais pas s'il va durer longtemps ou pas. Je vais essayer de me dépêcher, mais bon. Donc, c'est assez facile. Après, pour les papiers, on prendra un massicot ensemble parce que je sais pas vraiment. Encore deux. Ah ! Voilà. Les bêtises faites par GN. Je vous dis. Faut mieux pas m'avoir des fois. Voilà, c'est bon. C'est rectifié. Des bêtises. Bon, pas mettre trop de colle non plus. Je vais passer mon truc. Il est là. Bon, il faut mieux en mettre que pas assez aussi. Donc, voilà. C'est la colle de chez Action. Là, All Purpose Glue. Et vous pouvez prendre autre chose. Ou fermer avec du double face. Ou voilà. Moi, c'est que je ferme avec ça. C'est plus rapide. On met partout. Hein. Voilà. Qu'est-ce que j'ai dit? On en met partout. C'est plus un plioir, c'est un truc à colle. Bon, bref. Voilà. Et la dernière. Touc. Touc. Et rattrapage du
du truc en plein vol. C'est pas très grave. Hop, hop, hop. On va essuyer ça tout de suite. Voilà. Ah, il y a de la colle partout sur ce tapis. Mais bon, c'est normal, c'est un tapis de colle en même temps. Voilà. Donc, déjà, ça c'est fait. Et hop, on essuie bien. Voilà. Donc, on va prendre notre première page. Notre première enveloppe. Vous voyez, on va la mettre comme ça. On va prendre notre première languette. On va faire comme ceci, comme ceci. Attendez, oui, oui. Comme ceci. Tac. Tac. C'est ça. Je réfléchisse bien. Qu'est-ce que j'ai fait avec mes languettes, moi? Oui, si, c'est ça. Tac, hop, hop, on ferme la languette. Et hop, voilà. Et on va faire comme ceci tout le temps. Voilà. Et en essayant de bien aligner. Donc là, on va coller le premier bout de la languette. Hop. Donc on met de la colle, on n'hésite pas, mais pas trop non plus. Pas comme je viens de faire, je pense. On met notre languette. Ah, on a oublié de couper en biseau. Mince. On coupe en biseau. Attendez. Je vais enlever juste un peu de colle là. C'est pas très grave en soi. Hop. Voilà. C'est juste pour vous faire voir. On va couper nos languettes en biseau. Si je retrouve le ciseau. Qu'est-ce que j'ai fait de mon ciseau, moi? Bon, au pire, il y a le petit ciseau. Il est où le petit ciseau? On va prendre le petit ciseau, tant pis. Donc. On coupe toutes nos languettes comme ça en biseau. J'ai oublié de ça. Je voulais vous le dire en plus. Ah, il est là le ciseau. C'est pas pratique ce ciseau là. Donc voilà. Donc là, on a coupé là. Et là, on coupe là. Et on fait tout comme ça. Voilà. Voilà. Du coup, là. Ah, ça colle. C'est normal. Surtout avec moi. Donc du coup on reprend notre languette, on met notre languette comme ça, on a coupé un peu plus court mais c'est pas très grave en soi. Voilà, oui, j'aurais dû faire peut-être plus long mes languettes du coup. Alors ma languette n'est pas très bien mise, voilà là elle est bien mise, hop. Hop, et on va mettre mon autre album par-dessus. Et ainsi de suite, attendez, hop. Pas si mise que ça. Là, elle est mise. Donc là, on prend une autre enveloppe. Par exemple, celle-là. Et on va mettre ça comme ça. Et ainsi de suite. Donc là, il faut bien se mettre bien. Là, on est bien. Attendez. Que j'enlève celle-là parce qu'elle me gêne. Vous voyez rien. Comme d'habitude. Donc, on se met bien. Attendez. Je vais peut-être me lever comme ça. Je verrai bien. Si je suis bien. Voilà, là je suis bien, là je suis bien, là je suis bien, là je suis bien. Voilà, ça nous fait, hop. Bon, faut bien la tenir, bien la coller. Là on est bien et là on est un peu trop haut. Là on est pas mal, là, comme ça. Donc là, on fout un coup de ça. Voilà. Et un coup de ça. Voilà, ça nous fait tac tac notre album. Ouais, j'aurais dû faire des languettes plus grandes, mais j'ai pas fait exprès. Je me rappelais plus qu'il fallait couper en biseau. C'est vrai, ça aussi. Donc je vais couper toutes mes languettes en biseau. Donc tac. Bon, pourquoi j'arrive pas à la tenir? J'ai pris des languettes dans le papier blanc.
Je viens de me tromper en posant ma languette. Bon, et bien, je vais en faire une avec vous. Oh, je vous jure que n'importe quoi. Ça, c'est à force de parler que je me suis trompée dans les languettes. Je crois que je vais faire les languettes hors caméra et je vous retrouverai après. Là, je vais juste vous faire voir qu'il faut faire 15. Comme ça. J'aurais pas assez. J'aurais pas assez. Ça, là. J'ai pas assez non plus. On peut reprendre une autre feuille. Ça, je vais couper. Et je mettrai la suite. Vous verrez pas la suite. Je coupe là pour les languettes. Voilà. Mais après, je vous fais voir la suite.